Ramasser, balayer, nettoyer. Chaque jour de semaine, dès 5 heures, les nettoyeurs sont à pied d'œuvre pour que Vesoul soit propre. 400 poubelles, 25 distributeurs de sacs pour les déjections canines, des engins toujours plus performants et pourtant. Il y a toujours plus de travail. On a beau mettre des corbeilles, on a beau mettre des agents sur les quartiers, les gens sont toujours aussi sales, quoi. Donc, irrespectueux, on va dire. Voilà. On sous-estime un peu les gens qui travaillent à la propreté, alors que c'est un métier comme un autre. Et puis maintenant, ça commence à être reconnu. On voit quand on passe pas. La campagne d'affichage reconduite pour la troisième année par la ville permet donc de valoriser le travail de ces 45 agents municipaux. Et si elle est menée à l'arrivée des beaux jours, ce n'est pas par hasard. Il y a plus de gens dans les rues. Donc aujourd'hui, on essaie de sensibiliser tous les gens à essayer de ramasser leurs déchets, les papiers, les mégots de cigarettes, les déjections canines. 1 million de mégots seraient ainsi ramassés chaque année à Vesoul. Ce mois de la propreté, c'est un rappel à l'ordre et à la loi qui prévoit des amendes pour sanctionner ces incivilités du quotidien. Garder une ville propre, c'est un budget. C'est pas tellement la campagne qui coûte cher, c'est le travail qui est fait par nos agents. On a fait un calcul récemment entre tout ce qui est fait. On est à peu près à 900 000 euros par an quand même de coûts de nettoyage de toutes ces choses qui nous posent d'énormes problèmes. Les habitants de la ville sont invités à plus de civisme en ce mois de mai afin de garder leur ville plus propre, plus belle.